Et y'a plein de gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de tenue. Donc stylée, donc vous avez pu voir la tenue vite fait, donc je vous ai montré. Donc elle est vraiment, donc elle est glitchée, hein. Donc vous allez voir comment faut faire. Donc là je me suis trompée, donc il va falloir aller dans blouson en cuir. Chercher donc blouson de cuir ouvert. Après aller dans les gilets de braquage furtif. Retourner dans les blousons en cuir. Et là, vous allez reprendre le blouson en cuir noir ouvert. Là, ça va faire ça. C'est assez stylé, je trouve. Vous allez aller ensuite dans les blousons cuir. Blousons courts, excusez-moi. Vous allez chercher le blouson chaîne rouge. Donc, qui est vraiment stylé, je trouve. Après, il va falloir aller dans les pantalons. Aller dans chino. Voilà. Vous allez prendre le chino étoilé. Donc, je vais vous montrer un petit peu les autres pour vous montrer ce que vous pouvez prendre. Moi, c'est celui qui est étoilé qui me plaisait le plus. Va falloir après aller ensuite donc dans les baskets et prendre les baskets cloutées bleues. Donc, comme vous avez pu voir. Après avoir fait ceci, donc vous allez vous rendre dans les. Donc, voilà. Excusez-moi. Vous allez vous rendre donc dans les gants. Vous allez prendre donc les gants mitaine noire. Donc non, en laine noire, excusez-moi. Ensuite, vous allez aller dans les écharpes. Donc voilà, écharpe. Vous allez prendre l'écharpe rouge. Voilà. Donc celle-ci qui fait encore un truc modique, enfin glitché, qui est encore stylé, je trouve, qui a bien avec la tenue. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Je mets pause et on se retrouve tout de suite à l'appartement. Et donc là, on se retrouve donc dans l'appartement. Donc vous pouvez voir que j'ai toujours la tenue, hein. Donc je n'ai rien changé dans la coupure. Donc il va falloir aller dans Start, Inventaire, donc pour le masque. Et là, je vais faire juste une petite coupure parce que j'ai mis beaucoup de temps à le chercher, hein. J'ai dû mettre au moins 2 minutes à le chercher. Parce que comme j'ai tous les masques du jeu à peu près, c'était un petit peu long à chercher. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, on va se retrouver donc comme cagoule. Va falloir prendre donc cagoule en laine rouge. Donc comme j'ai en ce moment pour faire la même tenue que moi. Après vous allez devoir aller dans la longue vue. Donc vous me placez bien à côté de la longue vue pour faire après la flèche de gauche. Donc jouer partie donc seul, oui. Donc partie aléatoire seul. Vous allez prendre une activité soit de Gérald, de n'importe qui. Vous allez faire flèche de droite directement à la longue vue. Et là j'ai fait une coupure parce que en fait il va falloir attendre que l'activité se lance. Donc moi je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, on va se retrouver. Donc vous allez voir que dans pas très longtemps, donc la vue va se changer. Donc vous allez avoir l'activité qui va apparaître dans pas très longtemps. Donc dans 1 ou 2 secondes. Donc voilà ce que ça dure un petit moment à attendre, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc à droite il est marqué téléchargement. Donc là vous avez vu que la vue a changé d'un coup. Dans pas très longtemps ça vous affiche aussi l'activité. Donc dès que vous êtes dans l'activité, vous allez quitter automatiquement. Après ça va faire cette vue là, donc faut pas bouger, hein, faut rien faire, juste faire back et dans les inventaires et tout ça. Vous allez mettre lunettes, donc non, excusez-moi, chapeau. Donc vous pouvez faire les lunettes d'abord ou le chapeau, hein, ça changera strictement rien. Donc dans les chapeaux, vous allez prendre le chapeau de cowboy rouge, donc voilà, celle-ci, donc qui fait encore assez classe, je trouve. Et après en lunettes, il va falloir prendre donc. Vous avez vu que j'ai un petit peu de mal à cause du chapeau qui cache les lunettes, donc j'arrive plus à retrouver celle que j'avais pris au début. Donc voilà, c'est des bulles émiques or, donc ceux-là, qui sont assez stylés, je trouve qu'il vient avec la tenue. Vous allez faire, après que vous avez choisi votre tenue, faire flèche de droite et enlever, arrêter comme ça. Vous allez pouvoir que la tenue est modée. Ça va être tout pour cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Et moi je vous dis peace!